Parce que toi, tu nous as aimés le premier. Lorsque nous étions des masses informes, éternel, dans les entrailles de nos mères, toi, tu nous aimais, éternel, et tu nous as préservés jusque donc en ce jour, Père. Tu as dit dans ta parole, vous me prierez, vous partirez, moi, j'exhorterai, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse, Père, que ces moments agréables que nous avons passé dans ta présence, éternel, mon Dieu, mon roi, continue à nous bénir, Père de gloire. Parce que nous avons compris, l'homme de Galilée, que nous ne pouvons pas te mélanger, éternel, avec le diable. Tu as dit, éternel, lorsque donc, nous sommes tièdes, toi, tu nous vomiras. Amen. Et que l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il aimera l'un et haïra donc l'autre. Merci, Père. De ce que donc cette parole va continuer à porter des fruits éternels dans notre cœur pour que nous puissions nous engager à marcher éternel, mon Dieu, mon roi, sur le chemin parce que toi tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous prenons autorité éternelle contre tout ce qui est ennemi donc de ta parole. Il va chercher éternel, mon Dieu, mon roi, donc à venir enlever éternel la parole que toi tu as sémée dans notre cœur pour s'aimer livrer, Père de gloire, comme ça s'est passé éternel du temps des Gédéons. Nous voulons éternel que cette parole subsiste, qu'elle nous dirige et nous accompagne pendant toute la semaine jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver ici le mercredi prochain.
Là où, Éternel, cette parole est sortie, Père de gloire, que toi, donc, tu puisses encore rajouter au centuple pour que ceux, Éternel, qui nous nourrissent puissent avoir suffisamment de provisions, Éternel, à donner donc à ton peuple. Amen. Maintenant, Éternel, que nous allons nous séparer. Laisse la paix, Éternel, parce que toi tu as dit, j'ai pas, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, pas à la manière du monde, mais la paix, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui surpasse toute intelligence. Que ta paix, Éternel, puisse demeurer dans cette maison, que ta paix, Éternel, puisse nous accompagner, Éternel, et nous voulons donc prendre autorité contre toute puissance du monde de ténèbres, de poursuite, qui va nous suivre, Éternel, mon Dieu, mon roi, sur le chemin. Il est écrit dans ta parole, sur le chemin de racheter, il n'y aura pas de bêtes féroces. Amen. Toutes les bêtes féroces, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui vont jalonner notre chemin de retour dans nos maisons respectives, soit déboulonné, cela au nom de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel, l'Éternel puissent camper tout autour de nous pour nous protéger contre les allants et les venants, afin que l'oppresseur ne puisse avoir aucune occasion de bénir. Que ton sang, Éternel, balise notre chemin, qu'il couvre nos voitures, Éternel, mon Dieu, mon roi, et nous précède, Éternel, dans nos demeures, ainsi que ta paix, et que donc toi, le Dieu trois fois saint, par des soupirs inexprimables, tu puisses intercéder pour nous, pour tout le problème, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous subjugue en ce jour. Que le Saint-Esprit nous assiste pour continuer à nous enseigner. Là où nous n'avons pas compris, Éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'il puisse donc nous assister, parce que personne ne peut triompher de ses propres efforts, si ce n'est que donc toi, l'homme de Galilée. Nous couvrons, Éternel, notre chemin par le sang. Nous invitons, Éternel, la présence du Saint-Esprit. Nous implantons, Éternel, ta croix de victoire de Golgotha dans nos maisons, dans nos vies, et te proclamons toi et toi seul comme le roi de rois, le Seigneur et Seigneur. Dans le nom de Jésus, le Amen. Seigneur. Est-ce que quelqu'un est venu? Yes. Merci énormément pour votre présence. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes.